C'est un soulagement parce que je n'ai pas déjeuné ce midi. Je suis angoissé. Je vous le dis, cette guerre, j'aurais mieux que ça, sincèrement. Je ne peux pas me battre avec le président du comité général et mon cycliste et moi également. Maintenant, je pense que l'année prochaine, on sera pas sur le même cas de figure. Il faut que cette histoire-là, que ça cesse. Donc en octobre, il faudra vraiment que vous puissiez vous rencontrer et discuter. Je crois que c'était la meilleure solution. Moi, j'ai cherché, je l'ai appelé, j'ai essayé de discuter avec lui. Ça n'a pas été fait. Mais je crois qu'il faudrait qu'un jour, qu'on se regarde dans les yeux. Il aime le cyclisme, moi également. On n'a pas les mêmes conceptions, on n'a pas les mêmes visions des choses. Mais je crois que nous aimons le cyclisme. Ce n'est pas en se déchirant dans un tribunal qu'on va faire évoluer le sport. Moi, je crois que personnellement, il y a les types de Martiniques qui arrivent avec deux Africains. Ce ne sont pas des Français, ce ne sont pas des Martiniquais. Ils sont quand même en France avec une équipe métropolitaine. Alors, je ne vois pas le problème avec nos frères de la Caraïbe. Pourquoi nous ne pouvons pas annuler deux coureurs dans un tour de la Martinique? Simplement ça.